Bonjour la famille. Hello everyone. J'espère que vous allez bien. I hope everything is well with you guys. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare mes haricots. I'm showing how I cook my beans, black beans. So don't forget to set up your closed caption to auto translate. On aura besoin d'haricots noirs, de poivrons verts, d'oignons et d'ail, de tomates aussi, et puis d'assaisonnement. Les assaisonnements, je vais les mettre en commentaire ou bien dans la barre de description. Voilà, ici on va écraser la tomate avec l'ail et puis réserver le tout. Pour les épices ou les assaisonnements, comme je l'ai dit, voyez la barre de description. Mais pêle-mêle, nous avons le poivre noir, la poudre d'ail, le paprika, la poudre d'oignon, le sel, le bouillon d'assaisonnement. Voilà, voyez dans la barre de description. Là, on va venir égoutter, comment on appelle, les haricots et réserver le jus qui ressort de là. Là, nous sommes en train de faire frire, sinon faire revenir l'oignon, l'ail et puis le poivron vert. On les fait revenir. J'ai pas mis de sel pour le moment à cause des haricots qui sont en conserve. Souvent, il y a beaucoup de sel là-dedans. Donc là, je vais venir ajouter mon bouillon. Ça peut être le cube magique ou bien le bouillon que vous avez. Ça, ce sont des bouillons en pâte. Et vous allez touer. Faites attention de ne pas brûler. Et puis là, je viens verser tous mes assaisonnements. Le reste des assaisonnements, c'est-à-dire poivre, et etc. Et là, je suis en train de rajouter mon mélange de tomates et d'ail que j'avais préalablement écrasé. Après un moment, vous allez venir verser vos haricots là-dedans et puis faire semblant de faire frire le haricot et voilà les légumes. Je mets un peu d'eau et puis saisis le tout. Voilà. Ça, je mets un peu de jus qui ressort des canettes. Et puis voilà, le tout est joué. Vous couvrez à feu doux, vous laissez mijoter. Et voilà, c'est prêt, c'est rapide. Et puis voilà. C'était très bon. Et là, vous enlevez après 5 à 10 minutes à petit feu. Voilà, bon appétit. Là, je sers avec du riz, mais vous pouvez le servir avec le plantain cuit, comme vous le voulez. Vous pouvez manger ça simplement. Ça dépend de chaque région et puis de chaque culture. Ça, c'est bon pour les beignets haricots, si pour mes beaux-parents camerounais. Et puis, bon, vous voyez comment vous les mangez, quoi. Je vous dis bon appétit. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je vous dis au revoir et à bientôt à la prochaine vidéo. Bye bye and... Bye.